Sur le plan économique, le programme de ces partis de la droite italienne inclut d'importantes réductions d'impôts, la baisse de l'âge de la retraite et même une amnistie fiscale, des mesures qui pourraient avoir un lourd impact sur les caisses de l'État, un pays qui est déjà, l'Italie, elle a déjà une dette qui frôle les 147% du PIB national. Sur le plan européen, Giorgia Meloni affirme qu'elle n'a pas l'intention, je cite, de détruire ni de quitter l'Europe, mais plutôt, je cite, de défendre l'intérêt national italien. Son parti est contre l'avortement. Il défend les valeurs familiales traditionnelles, s'oppose aux quotas visant à renforcer la présence des femmes au Parlement ou dans les conseils d'administration des entreprises. Et parmi les combats affichés par Fratelli d'Italia, il y a la lutte contre l'islamisation et contre l'immigration illégale.